Mais du coup, j'étais chaud pour direct commencer les autres tempêtes. Donc Alors on moi vient ça avec comment m'écrit tu nous expliques? Late Spring Day 194. 4 194 à ça. En gros, pendant les autres tempêtes, il va y avoir des orages. Et des petits fantômes qui vont apparaître, qu'il va falloir capturer avec un fil à papillon. Ok. Ok. Et il Donc va c'est des falloir filets. également miner. Parce qu'en fait, les orages vont laisser au sol une sorte de petit bouton, un petit éclat lunaire. Mais c'est un éclat lunaire spécial qu'il faudra miner et ramasser et bundle. Okay. En fait, pour faire un peu de lore, en fait, le Météus, donc c'est la lune en fait, quand on place les trois autels, elle est en mode. Ah, mais les anciens m'ont déjà puisé l'énergie et m'ont trahi ensuite. Du coup, Okay, ils voient les trois bye. autels et en fait, ils décrochent une de ses pattes dans la lune qui vient sur le lit lunaire pour vraiment mettre fin à ces trois autels. En fait, il veut pas que les trois autels soient reconstruits et que son énergie soit encore puisée. Du coup, ce qui se passe, c'est que Wagstaff, il va refaire une machine pour vraiment vraiment puiser son énergie avec des patates. Et là, le Celestial il est vraiment pas content et il balance le Celestial Champion pour tout stopper. Enfin, pour essayer en tout cas. Donc là, on n'a pas encore de Célestal Champion. On doit gérer les Astro Tempêtes. Donc là, ouais, en fait, le Meteus il est en mode. Enfin, il est en mode colère. Mais pas en mode ultra colère. D'accord. En On va fait, devoir il voit juste. récupérer les ressources pour faire spawn le Celestial dans les tempêtes. Ouais, ce sera comme des petites spores en fait qu'il faudra capturer au fil à papillon. Ok. Et ça, ils pourront capturer, je sais pas exactement combien, mais pas mal. Je crois qu'il en faut 20. Ah ouais, Je vais peut-être attends, aller je crois checker que ça, c'était c'est plus que marqué. ça. Je crois que c'était Et marqué pourquoi il faut les 15 ou bundles? 16. Parce qu'en fait, ils pourrissent très très vite. Comme des papillons, quoi. En fait, Remplir. les espèces de lucioles qu'on va choper, ça va. Ça pourrit pas trop vite. C'est On 15 aura et pas. 15. Infusé de Melfard. Ça, c'est ce que tu vas miner au sol Oh la lorsque les vache. éclairs vont tomber. Ça va laisser une petite poussière de lune, et ça c'est 30 qu'il en faut récupérer. Et ça se pourrit en. Je dirais 2 minutes. Même pas. Une Non, minute. oui. Non, 2 minutes peut-être pas, mais c'est moins d'un jour. Ça clairement, il faut les bundle. On est en Ça, pleine explication et tu fais du bruit. Pardon? Tu veux faire l'explication dans le sein là? Oui. En stream? C'est le briefing pré-mission. Ah, je suis désolé. C'est scandaleux. T'as bientôt fini? Sa voix était pas la voix de quelqu'un de désolé, je trouve, mais bon. Ouais, non, il est pas du tout désolé, il fait je suis désolé avec un immense smile. Je lui jette des regards noirs depuis tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Je préfère Et qu'il ait le une smile. fois qu'on est tout, qu'on a tout, bah Donc on tout le va. monde s'équipe d'un filet à papillons et en route dans les Astro Tempêtes, c'est ça? Et avec Ouais. une mine et une pioche pour miner. Alors c'est un Pioche peu et plus un complexe que bundle. ça, Enfin, et c'est pour ça qu'à mon avis ça va prendre un beaucoup plus bundle. de temps. C'est qu'il faut aussi. En fait, il faut que quelqu'un aille dans les autres tempêtes, trouve Wagstaff. Parce qu'en fait, le Wagstaff, il. Enfin, ouais, on sait pas trop ce qu'il fait. Bon, on va tous. Mais. Ouais, non, il Il y a est qu'une plus seule en personne mode. qui y aille, mais. Il est plus en mode, ouais, qu'est-ce que c'est que ces tempêtes? Je suis intéressé et tout, de regarder comment ça marche et tout. D'accord, Et du coup, en fait, il veut puiser l'énergie des astres tempêtes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a des trucs d'énergie. et Et en fait, donc, lui, on il veut voit rien récupérer. sur les astro tempêtes, on voit rien On sur voit la rien map. comme dans l'été. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il faut trouver un Wagstaff dans l'astro tempête. Enfin, le Wagstaff dans l'astro tempête. Et il va nous lâcher au sol plein de blueprints pour crafter des trucs. D'accord. Et dans ce blueprint, t'as un chapeau. C'est un chapeau patate lunaire. En fait, ça prend. C'est un mini réceptacle à énergie lunaire qui te permet de voir dans les astro tempêtes. D'accord. Et ça marche avec des patates. Très bien. Donc on a de la patate. Donc Tu ouais, c'est t'es pour ça que chargé j'avais de préparé vérifier des qu'on ait de la patates patate géantes. en stock, ok? Bah, j'avais fait des patates géantes, ouais, juste avant. Bon, écoutez, je lance le world et puis on essaye ça. Donc il faut qu'on bundle les trucs qu'on capture à coups de filet à papillon.
Après, ouais. on peut le faire en plusieurs étapes. On peut faire d'abord les quêtes de Wagstaff, ensuite. On peut faire une team bundle. On a intérêt à quoi? À sillonner les astro-tempêtes pour trouver. Les quêtes de Wagstaff, il vaut mieux qu'on soit tous ensemble quand même. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ne serait-ce que pour découvrir. Bah oui. Donc on après, se. Après, on pourra se séparer pour récolter les différentes ressources dont on aura besoin. Mais donc on commence par chercher Wagstaff. De toute façon, il faut qu'on trouve d'abord Wagstaff parce que tant qu'on n'aura pas les lunettes, on pourra pas vraiment se déplacer dans les tempêtes. À l'intérieur de ces autres tempêtes, il va y avoir des mobs très agressifs. C'est des oiseaux, en fait, c'est les, ah oui, les c'est oiseaux ça, rouges, ça. Genre les robins et les corbeaux, qui sont dans les astres tempêtes, mais transformés en, par l'énergie lunaire en oiseaux maléfiques. Cool. Oh. Qui sont très agressifs, qui font assez mal si on se place pas bien. Pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de switcher pour une Winona dans le... Est-ce que je m'en occupe, moi? Moi, ça m'est égal. C'est pas mon perso préféré, j'aime bien Wagstaff. C'est bon, c'est en ligne, vous pouvez rejoindre. Wartox, oui, pardon. Je vais t'en revenir à la vache. Est-ce que ça pour annonce... savoir si quelqu'un voulait faire cette partie-là. Après, moi, je m'en charge. Si bah, après, sinon, t'as dit que si on la fait régulière, juste on est... Ouais, on doit donner au on pic, cherche quoi. Un peu plus, mais du coup on voit IRL. Hey, y a une abeille qui est en train de tuer Hey! Arrête de tuer Chester! Ah non, mais après si vous voulez, faut aussi gérer ce truc d'été. Si vous voulez la faire à la dure, pas de soucis. Hein. Bah, on peut l'été... y aller maintenant. Il nous reste combien de temps là d'été? De printemps avant l'été? Deux jours, tu vois. Là, je suis pas une game. Deux jours? Ouais, je vois. Et mais tiens, il faut j'ai quand trouvé même une taupe. Prendre mal, je pense. Cool, merci. Maintenant qu'on a plus de ferme. Mais de toute façon, je pense que c'est celle de notre ferme. Oui, oui, bah oui. Je l'ai ramassée parce qu'elle venait nous bouffer nos affaires. Bah, tu sais quoi, on va la tuer. On prendra les taupes. Par contre, elle a plus de. Elle a plus de terrier plus de... si tu la tues. Quand on aura plus de mousse-gouze. Ah, mais elle a plus de terrier. Ah, ouais, bah oui. Tant pis. Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Peut-être dû commencer par ça, ouais. On a quand même un peu de temps pour préparer. Bah, moi je suis prête à y aller en vrai, il faut. Deux jours en comptant le fait qu'on est déjà en soirée. Enfin bref. Allez, go. Bah, de toute façon, on commence par aller dans la tempête pour. Ah, mais j'ai pas prendre un filet à papier. Quelqu'un a pris la soie déjà, c'est ça? Non, ça, je vous propose qu'on le fasse dans un deuxième temps. Allez, là, la soie. Ah, donc on fait pas ça? Ok. En fait, les trucs qu'on va ramasser, c'est des trucs qui vont pourrir. Donc et on emporte des après, armes une du fois coup, qu'on a fait la... parce qu'on va combattre. Ouais, alors par contre il va falloir effectivement des armes, des armures, ah là là, il nous faut une Wickfried aussi. On a plus de quoi faire des casques. Des casques, ouais. Des lances de hache et des épées dans le jardin d'Eden. Tu veux un peu temps, ouais. Alors... Après on a des casques de couronne de télécite. C'est vrai. Salut Triggy. On sèche pour réviser, c'est ça. Enfin, on sèche pas trop, c'est le printemps et il nous pleut dessus, pour être tout à fait honnête. C'est clair. L'autre problème, c'est que, et surtout avec les couronnes, c'est qu'il va nous falloir le casque de patate là. Ouais, après le problème, il faudra. Oui, autant faire des armures. Et si on fait des armures en bois, c'est pas bien? Moi j'ai une armure en bois là dans mon sac. C'est bien, mais alors par contre les trucs qui tapent, ils tapent fort. Enfin, ils vont vraiment plomber les armures très très vite. Hein. Et je crois qu'on n'a pas énormément de bois en stock. Donc ouais, plutôt partir sur. Mais effectivement, une body armor ce serait bien mieux, ça c'est clair. Nous c'est là qu'on avait utilisé les bonnes armors en fait. Parce que je l'ai fait une les seule fois. Les bonnes armors, genre, vous en aviez jours, plusieurs. Ah oui. Et on avait farmé le fuel web. Ah mais il était jour 1000 aussi. Et les armures en marbre. C'était probablement 2000. Je pense qu'on va déjà être ralenti par la tempête, donc les armures en marbre, à mon avis. La tempête, si on a le chapeau, on sera pas ralenti, mais c'est sûr que c'est un moment où la mobilité, c'est quand même pas non plus inutile, quoi. C'est la pleine lune. Ouais, c'est la pleine lune spéciale, machin. Encore la pleine lune. Ah, mais je me souvenais pas que ça ressemble à ça. C'est tellement romantique. Salut, Aza. Merci pour le soutien. Bon, bah, go. Ça va, toi? Ah mais du coup il n'y a plus besoin de ça, on n'a plus besoin du casque lanterne. Donc je sais pas si vous voulez essayer... Ouais, non. Ouais, tout ce qui est lumière, on peut mettre de côté. Tant qu'on coup. Est à la surface, on en a moins besoin, c'est sûr. Ouais, pourquoi pas. Et ben, moi je suis prête. Ouais, pareil.
Donc là, il faut qu'on en... Juste, attends, il faut qu'on emporte une pioche, hein, j'ai bien compris. Non, 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 bah là... Ah ouais, non, on cherche Wagstaff d'abord. Ouais, je sais pas si on fait les deux en même temps, faudrait voir avec Spider. Ah, vous voir, si vous voulez faire les deux en même temps, faites les deux en même temps. Moi, je est-ce pense qu'on va avoir beaucoup de trucs à ramasser avec ou pas les quêtes de Wagstaff, mais... Ok, donc on fait les deux en même temps... Pioche. Ah, mais attends, ouais. Ah bah, je prends des patates, alors, ok. Ouais. Il faut... Mais parce qu'il va crafter le truc en même temps. Bah, vas-y, non, on reviendra ici, en route. Ouais. La soie, je sais pas qui c'est qui l'a prise. Elle est tout en haut, là. Je l'ai trouvée après. En vrai, j'ai bien envie de tester. D'ailleurs, elle est tout en haut, mais elle est hors champ du... Tu m'as donné envie, je vais tester si j'envoie directement. Voir ce que ça donne. Elle est hors champ de protection. Il y a plein de trucs qui sont hors champ de protection, là, de nos... Parce que ça va être l'été. Attention. Genre, le bois magique, il est hors champ. Ah ouais, attends. Il faut qu'on protège quand même un tout petit peu. Si on... Parce que ça va être l'été pendant qu'on sera loin. Et du coup, ça va prendre feu. Quand on va revenir. Quand on va revenir, ouais. Ça. Pas dedans. Alors. Ah, j'avoue, faut tous les activer, je pense. Bah, je pense qu'on peut les activer en revenant si ça se déclenche que. Ah non, j'ai une patate pourrite. Enfin, j'ai des tomates pourrites. Ah oui, on a ça, ça qui est pas dedans. Et en bas. C'est le rangement pré-été. C'est le rangement d'été. Il y a un païen. Ouais, je sais pas ce que c'est. La rame. Pourquoi on a une rame? Après, comment pour les pour la, la les quêtes de Wagstaff là, Abigail, ça va vraiment être OP. Hein. Cool. Ça tombe bien. Et par contre, t'as un frigo, t'as un de tes frigos qui est pas couvert, c'est pas grave? Non, les frigos ça prend pas peu. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'ai déjà posé la question, je crois. Et en plus, tu l'avais déjà dit. Ça a l'air non plus, ça prend pas peu. Ouais, je crois que du coup, vous aviez déjà répondu, pardon. Par contre, toutes mes patates, ça me peut, mais je crois qu'elles sont couvertes. Ok, let's go. Ah, presque. On a un truc pour sécher la viande qui est pas dedans. Non, encore plus, je pense pas. J'ai pas d'aig. Un séchoir, je crois que si, non? Il ouais, a un, y a un séchoir qui est pas vraiment dedans, mais bon. Il me semble que la dernière fois qu'il y a eu un chien de feu, il a été protégé quand même. Mais. Je suis peut-être. Mon optimisme pour de l'optimisme. La limite est pas forcément. Sur pas beau, clair, hein. Ça sert à rien. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est que j'avais pas fait gaffe que je l'avais. Ouais. Bah, peut-être prenez une armure de Télucite pour le fight. À savoir que les armures de Télucite, avec les armures de Télucite, tu peux générer de la Télucite. Ah bon? Donc ouais, c'est bien de les décrafter en fait. Ah, bah là, ah oui, est... en fait, faut pas les laisser, faudrait pas les laisser arriver à zéro. Ouais. Là, elle, okay, est, d'accord. Bon, elle est à 5% non, celle-ci. Ouais, Osef, hein, si tu veux te protéger des dégâts. Elle est à 5%, donc je vous laisse la décrafter. Parce que... Sinon, moi je me disais peut-être des Night Armor. Elle est à 5% elle, ok. Night Armor, ça fait descendre la santé mentale. Eh, mais j'ai faim, je crève la dalle. Night Armor, tu te attention, fais attaquer par les... J'arrive dans le frigo. Hein, tu te fais attaquer par les gestals en fait de nuit. Les monstres. Ouais, par les gestalt. Bah les gestalt, tu te fais attaquer par les gestalt en fait. Ils t'attaquent quand t'es bas en sanity, quand t'es haut en sanity justement. Non, mais là ils t'attaquent vraiment, ils te font des dégâts. Quand tu parles de la night armor. Et c'est ils aiment pas la night armor, c'est ça que tu veux dire? Ouais, oui. Bah ils aiment pas tout ce qui est ombre, donc si t'es ombre, ils te détruisent. D'ailleurs la dark sword aussi, je crois. Pas trop en fait. Je sais pas trop on si est toujours pas parti et c'est pas ma faute, je tiens à le signaler. Je suis en train de remplir le frigo. Ok, ouais, bah, j'y vais. Alors, on y va tous? Oui, bah attends, je ramasse les meatballs. Parce que je vais avoir faim. Je me connais. Je te laisse les trois autres. Tu veux? Okay. Moi, faudrait que je sois fou. Je vais manger des champignons verts. C'est bien pour ce que... C'est bon pour Wormwood. Et on a perdu
J'arrive. Speeder. Ouais, Speeder, on t'a perdu. Ah, j'ai bien. Mes patates sont bateau pourri, donc faut aller vite en fait. Ah, ça t'a donné des patates pourries? Oui, il y a plein de. De casser les patates géantes? Ouais, non, ça je vais garder pour après. Je sais pas où on va. Hein, mais on alors, on vient d'entrer dans les astro-tempêtes là, on arrive dessus. Ah ouais? On est déjà rentré? Attention. Attends, ah je oui. Vois. Oh ah bah il est là, Marstaff. Ah oui, il est là. Oh là, yes, t'es rapide, je me suis pris un attends, caillou sur la tête par contre. Je pense qu'au début il est là où tu rentres dedans. Récupérer parce que sinon, les trucs, c'est ça. Ouais, Astro c'est un blueprint. Google blueprint. Ah, il a j'ancrais à l'extérieur. J'ancrais à l'extérieur de la. Alors, j'ancrais tout ce que viens, je peux. Viens, on va sur la route. Viens, on va sur la route pour les. Sur la route, ok. Je sais pas, attends, il est en train d'extraire. Là. Berry Bush qui a pop. Tiens, moi je lâche les autres. T'as mis en endless, Kia? Ici. Non, on n'est pas en endless, pourquoi? Bizarre, il y a un. Berry Bush qui a pop dans mon enclos, enfin sur mon enclos. Incomplète expérimental blueprint. Ouais, mais j'ai pas voulu les apprendre, je préfère les. Incomplète expérimental blueprint. C'est que des blueprints de patates en fait, enfin de chapeau patate. Tiens. Tu peux la prendre? Tiens. Bah, non, mais il y a un autre blueprint justement. Moi je suis full d'inventaire là. Hein. Ah ouais? Non, mais ça. En fait, faut que quelqu'un la prenne, c'est pas très important qui. Bon, ah ouais? Bah, non. Moi j'ai appris. Je l'ai appris et ça fait quoi du coup ça? Après, faut... Ça, faut le construire, mais t'as jamais fait le ciel du coup le, si, mais en fait, quand tu mets les trois hôtels à portée l'un de l'autre, t'as, au mieux, t'as un lieu qui apparaît, mais il faut construire le truc qui est là. C'est là, justement, pour construire et améliorer le truc en question, qu'on a besoin de récolter les ressources. Là, j'ai la recette des Astro Google, moi. Mais c'est ce que tu viens de nous crafter, là. Astro Google. Ça, c'est ouais. Ça, les Astro Google, c'est le truc là, donc ça, tu peux l'apprendre, on s'en fout. Ça, j'ai appris un nouveau truc, alors, mais je vois pas ce que c'est. Une complète expérimente. C'est ce que je viens de te décrire. C'est, ah ouais, expérimental truc, mais il est où? Il est dans la science. Science. Dans la science tout en bas. Ah d'accord. Et donc là, on est parti pour capturer des trucs en filet à papillon. Ah d'accord, donc moi, je créerai le. Comment dire? Le portail final en fait. Ok. Ouais, filet à papillon du coup. Alors, ce que j'expliquais la dernière fois, les Astro Girls là, leur durabilité elle baisse très vite, mais par contre, dès que vous prenez un des petits éclairs là qu'on chope dans la tempête, ça le refuel pas mal, je crois. Là, de toute façon, on attaque les quêtes de Wagstaff là. Donc, on va commencer à farmer les ressources. Ah, donc on farme pas les ressources. Il faut trouver le Wagstaff, il doit être indiqué sur votre écran comme si c'était un joueur normalement. Donc il est pas trop loin, donc faut trouver où il est. Mais je pense et on l'a croisé tout à l'heure, mais il a disparu après nous avoir. En fait, il se téléporte toutes les quelques secondes. Là, en bas à droite. Il a disparu. Ah oui, il est là. Suivez-moi. You, alors, of course. Là, quick, Texas. Vous, bien sûr. Vite, prenez ceci. Quoi ça? Retrouvez-moi quand vous serez suffisamment préparé. Ok. Il est parti par là. C'est ça, on le suit du coup. Il est ici. Ouais, là, il faut le suivre. Ma scan, je vais dans cette direction où il va partir. Ok. Ouais. Ah, là, c'est par là. Ici. Ah ouais, d'accord, c'est rigolo ça. Trouver l'endroit où va avoir lieu le truc, on suit. Je peux pas faire ici mon scan. Ça pointe par ici. J'ai besoin de. Là, la quête elle a commencé. Avant, ce saut finit. On va peut-être aller virer cette lurpante qui va nous faire chier. Donc là, on va être aggro par des, des nuées d'oiseaux. C'est là qu'Abigail en aggro va être. Vous me dites quand il faut que là, je crois, regarde les vilains piaf là. En fait, les oiseaux, ils vont essayer de tuer Wagstaff. C'est bon. Ah oui, effectivement, c'est plutôt efficace. On doit le protéger de ça. Et là, voilà, tu vois, il te demande comme outil son Gromlet Scribbler. Donc il faut trouver parmi les outils qu'il a drop. En fait, il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable des outils. Pas moi. Qui prenne tous les outils dans son inventaire. Moi j'ai un weird tool. Ah, il y a un strange tool. Bah ouais, mais en fait, tous les trucs vont s'appeler weird tool, justement. C'est ce que je disais. Il n'y a que Winona qui connaît les noms des outils. Ok. Funky tool, tool. Non, il y a funky tool aussi. Bizarre, weird. Non, mais c'est toujours des noms un peu random, quoi. Quelque chose, on peut l'attaquer si on veut. C'est quoi qu'il faut attaquer? Bah on peut attaquer le Wagstaff, mais je pense pas que ça va être une bonne idée. Non, clairement il faut protéger CHP là en fait. Les oiseaux vont essayer de le tuer. My Groomet, ah mais attends, Groomet on l'avait non? Il y en a ici des oiseaux. Ah non, Groomet Scribbler, c'est le même que celui que t'avais je pense, le Groomet Scribbler. Ah ils sont de plus en plus.
Bah j'ai peu de, j'ai plus de, d'outils. Et c'est pas ça qu'il faut piocher? Non. Si si si, c'est ce truc là qu'il faut piocher. Mais le truc c'est que vraiment il faut le bundle, il faut le bundle dans les 10 secondes qui suivent. Alors okay, le Groomed Scribbler, c'était le petit bouquin, vous retenez? Mais j'ai plus, je vois plus d'outils moi. Après il y a une certaine logique dans les noms des trucs. Il les fait apparaître, regarde là, ça, c'est ce truc là, là, c'était ça le Groomed Scribbler. Il y a une certaine logique dans les noms des trucs, genre le Scribbler qui est un bouquin, c'est assez logique quoi. Ouais. Reticulating Buffer. Reticulating Buffer. Non. Ouais, c'était le genre de clochette, la Reticulating Buffer. Buffer, pardon. C'est quoi ça? Enfin, je vois plus les... C'était ça, là, Reticulating Buffer. La clochette. Ah, ok. En fait, il les fait réapparaître au fur et à mesure, ces outils. Il donne, après il repop. Il y a quoi qui perd des PV ou... Conceptual Scrubber. Ouais, ouais. C'est parce que tu portes les lunettes, non? Ah non, on les porte tous. Conceptual Scrubber. Non, mais il y a les éclairs, les piafs aussi. Ouais, ouais. Tu t'approches des piafs. Les piafs, ils tirent en fait. Tu t'approches pour. Ils tirent des espèces de petites boulettes rouges là. T'as un outil là si tu veux. Ou du coup, Kir, c'est toi qui. Oh bah, moi je m'amuse bien là. Ouais, ouais, bah y'en a un là. Une certaine input de Calibrated. C'est peut-être ça le Calibrated machin du coup. Ouais, le Calibrated machin, c'est la pince. La clé. Ah, mais tu t'en donnais quoi? Dans mon coin, il y avait plein d'oiseaux. Là par là, allez. Il y en a à droite là. Et c'est fait. Ouais. It's done. Voilà, donc là on a un truc, il nous en faut trois de ce truc là. De quoi? Après, il a capturé la... Il a capturé le truc qu'il a drop là, voilà. Ok, restrained statique. Je veux bien des âmes si t'as. J'ai. Ouais. J'ai 34 PV, je suis pas. Et là du coup la tempête s'est déplacée. En fait elle se déplace toute seule aléatoirement tous les quelques jours et elle se déplace aussi à chaque fois qu'on... Il y a un sac à dos? À chaque fois qu'on fait une quête. Ouais, merci. Et donc là on s'en va, on retire les déserts de Google. Et on retourne... J'ai un incomplete expériment qui veut. Il faut le garder en fait, il va falloir en choper 3. Non mais le blueprint. Bah apprends-le. Non mais je l'ai déjà appris. Là, à gauche, Wokstaff. Moi je l'ai pas appris. Je l'ai pas appris, il y a une 15 de scène. Je crois bien qu'il en donne pour chaque personne en fait. Ouais, il en donne un blueprint de chaque pour chaque personne. Ça je sais pas ce que c'était. Je pense que quand on rentre dans son champ de vision, s'il y a une personne qui le connaît pas, il le drop, le blueprint. Ah oui, c'est pour moi alors je pense. Donc du coup voilà, il va continuer à le drop à chaque fois tant qu'on l'aura pas appris tous. Donc, Ah cool. À gauche toutes. C'est marrant parce que du coup, comme nous on était en retard, on voyait son truc changer. Moi je l'ai appris, je sais pas qui l'a pas appris, mais... Moi je l'ai pas appris. Et même s'il est invisible, avec le mode. Je crois que je l'ai appris, hein, incomplete. Ouais. Tiens, Kier. Ouais, donc c'est bon, tout le monde là en fait. Là, il s'est foutu au milieu des arbres. Alors... Non, I cannot learn what you already know. Ça, je le sais déjà. Oh la vache, trop simple. Vous mettez 4 hectares à la sucre. Scribbler, y'a un bouquin par terre? Je le vois pas. Les pièces sont. Alors là. Des fois il te demande un truc qu'il a pas encore fait pop. Hein. Ouais. Il faut passer surtout des machines après, en agro. Que... Elle est pas agressive. Ah oui, je me disais pourquoi elle fait pas son taf. si jamais t'as des âmes, hein, tu t'ennuies, hein, je veux bien. Hein. Normalement les oiseaux ils drop des âmes, non? Et les oiseaux drop des âmes, faut juste que je fasse attention à être à côté quand vous les tuez. Allez là. Vas-y, tu m'y donnes. Je vais dégager ça juste parce que. Je sais pas qui est-ce qui a pas appris le blueprint, mais du coup ça me gêne. Ouais, je veux bien des âmes là. Ouais. Faut drop les âmes là, non? Ouais, ouais. Okay. Bon, écoute, l'armure, très bien, je trouve jusque-là. En fait, le problème de l'armure, c'est que ça protège pas des éclairs. Ah, ouais, ça. Mais par contre, ça fait quand même du bien avec les pierres, quoi. Bah c'est ce qui me tape le plus en fait. Un dégât les éclairs franchement. Enfin... C'est moi le bon mec au début parce que j'avais pris un peu cher mais là je suis... Non ce qui tape fort, ce qui tape et qui fait chier là c'est les petits fantômes. Non c'est les piafs. Les fantômes ils font pas de dégâts mais les... par contre c'est les boules rouges des piafs qui sont relous surtout. Ouais. Oh putain. Reticulating Buffer, je crois que c'est celui-là. Non c'est les Stal Moon Glam, c'est les sortes de sport, le sport des lunes. T'as fait 10 de dégâts par hit et ça te peut te stun et t'en as envoyé plusieurs dans la game. Par contre, comme vous les tuez très loin, les piafs, j'ai pas toutes les âmes. Si vous arrivez à les laisser avancer, ça sera plus pratique. Ah, le truc, c'est qu'ils tirent et ils font des dégâts à Wokstaff en fait. Ah, ok. Ah, ils tirent à distance. Ouais, ils tirent à distance. Ils tirent.
Ok, alors attendez, faut que je suive. Ah mince, oula, oula. Ils sont où les pierres? À gauche là. Oula. Voilà. Je te laisse toute seule une petite seconde de temps de leur faire. Alors non, ils ont pas l'air de faire des armes. Reticulating buffer. On a une petite clochette là. J'ai une armure moi si tu veux, tiens. Non, mais c'est bon, j'ai essayé dans tout le site, j'espère que je vais arriver à penser à pas la casser. Non, il est toujours pas accepté. Reticulating Belfort, c'était peut-être la petite clochette? Non? Alors? Pas au moment. C'est pas ça? C'est la pour clé. Pour tous l'essayer. Ah, c'était la clé. Enfin, en tout cas, il vient de prendre. Ouais, oui, c'était la clé, ouais. J'ai plus que 4 âmes. Si vous voulez, il faudra aller faire quelques âmes avant de prendre la prochaine astro tempête. Je suis quasiment full là. Moi aussi. Ça fait du bien tout à l'heure. Il va encore un truc? Groomet, Scriber, ouais. Le bouquin. J'en ai pas. Okay. C'est bon. Y'a que moi qui peux pas. Ah, je dois être en train de pioncer. C'est bizarre, ça drop une âme quand ouais. Il fait son truc. C'est ce que j'allais dire. Alors, là, c'est, là, comme par si, contre, c'est comme si on tuait un monstre en fait. Enfin, on tuait un. Oh fuck, ouais, désolé pour. Par contre, mes meatballs qui deviennent pourris, c'est parce que elles étaient pas très fraîches quand je les ai emmenées ou vous aussi votre bouffe elle pourrit là? Ouais, j'ai moins l'impression. Enfin, après j'ai pas de bouffe mais. Ouais, la pourrie, mais elles sont jaunes aussi mes meatballs. Hein. Ah non, quoique non. Non, t'as pourri pas plus vite que mon truc il est toujours vert. Ouais, non. Pourtant, c'est celle que t'as cuisinée, je suis d'accord, j'ai l'impression qu'elles sont péri. Ouais, bah, en même temps j'ai mis des viandes pas fraîches dedans. Avouer. Donc en fait ça veut dire que ouais en fait tu manges un peu le un bout de du Météus en fait en faisant ça et c'est pour ça que ça te drop une âme je pense. Ouais peut-être. Tu veux dire on tue Ouais on tue. Par on contre tue ouais j'ai chaud. C'est ça. Pareil je vais commencer à avoir chaud aussi. Est-ce qu'on irait pas chercher nos pierres thermales Fred avant de repartir? Ouais. On passe à la base, ouais. On va chercher nos pierres thermales froides. Si vous voulez aller. Oh bah de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je sais pas le... si vous avez vu. Non, c'est pas où. Le high Ben, en fait, là pour le moment, il fait pas suffisamment chaud pour qu'on prenne des dégâts, mais. Ouais, si on peut y aller maintenant, ce sera plus simple. Il y a beaucoup plus de grenouilles que d'habitude ou c'est une vue de l'esprit? Bon, c'est cette zone, hein. C'est la zone à grenouilles, ça. C'est la zone grenouille. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes allé où du coup? J'ai dormi comme une bûche hier soir, de la fièvre ce matin y a ce, et la y a tête avec Berry Bush là. Vous êtes allé pop Ah ouais. C'est même pas vous un joueur qui a pu le placer là parce que il y a la collision. Là on est à la base là. Okay. On retourne à la base, excuse-moi. Je sais pas si tu veux. J'étais en train de lire mon chat en même temps et en même temps il y a Spider qui me parlait, j'avoue mon cerveau a. Sorry. A planté. Non mais tu y es pour rien, c'est moi. Ouais, qu'il faisait pas assez chaud pour on a une bonne dégâts, tête avec ses dégâts, chapeaux hein. Sur la tête, ouais. Ouais, mais alors par contre, on n'est pas à l'abri que d'ici la fin de la journée, il va sûrement faire trop chaud d'ici la fin de la journée, quoi. Ah bah, moi, c'est bon, j'ai déjà eu trop chaud. Je vais dropper ça. Non, mais là, normalement, tu dois pas prendre de dégâts. Hein. Ah, j'ai pris des dégâts tout à l'heure. Ouais, là, j'en prends pas non plus. Okay. J'en ai pris. On n'a pas des masses de nitre, hein. Du coup. Alors. Pierre thermale. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma pierre thermale? Dans le coffre à côté du à côté du four. Il y en a 4 au frigo là, des pierres thermales. D'abord la réparer celle. Il y a de la place pour suspendre des viandes. Est-ce qu'on peut aller faire des âmes vite fait une petite dizaine avec ouais. Wendy? Alors attends, d'abord je rafraîchis ma pierre parce que ça. Ah oui, j'allais partir sur la pierre, moi aussi. J'en ai pris une à 50, comme ça, pierre, alors attends, descend. C'est vrai que même les papillons, les pauvres, sont... Par contre, on n'a pas besoin de se faire toute la... Non, mais déjà juste cela, ça. Ah bah, qu'est-ce qu'ils font là? On est déjà aussi proche. Oh là. Mais du coup, ça va pas être trop violent pour toi? Pour moi, en tout cas, attends, il va y en avoir trop. Je m'éloigne dès que. Tu veux, on peut se barrer, hein? Je suis à 18, ouais, c'est bon. Attends, je me suis traîné là.
ça, oui. On récupère les âmes. Allez, oh là, elle va se barrer. Donc... Ouais, franchement, la Nethermore, j'ai pas spécialement reçu l'attaque des Destral. Ça doit être que dans le biome Grotto que c'est ça. Du coup, vraiment, je recommande. Recommande c'est la Night Armor. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on a les compos pour en faire pour nous ou pas? Alors, il manque plein de roseaux pour ça par contre. Ok. Ah bon? Ah ouais, parce qu'on a fait plein de bouquins. Ah mince, mais j'ai 3 Astro Girls, ok, super. C'est un peu beaucoup 3. Hein. Ah ouais, on peut plus faire le Phil Weaver du coup avec cette évente. Ah ouais? Bah parce que on peut plus avoir le cœur. Ah mais oui, on n'avait pas farmé le cœur. Ah ouais. Après moi justement je voulais peut-être te montrer un peu au stream et tout la technique pour former plein de cœurs d'un coup, comme ça fait plein de Night Armor. Mais c'est un glitch, je le sens. Non, c'est pas forcément un glitch. Dépend de ta définition. Comment ça, de ce forcément. Ouais, c'est. Tu utilises une mécanique du jeu en fait. Vas-y, je t'écoute. Mais c'est une mécanique poussée. Je t'écoute. En gros, tu mets plein de chevaux sur un bateau. Ensuite, tu fais les ventes des Shadow Boss. Tu tues les deux premiers Shadow Boss. Et après, tu. Tu tues tous les chevaux qui sont sur le bateau. D'accord. Enfin, tu casses le bateau quoi. Ouais, bah après tu casses le bateau. Et tous les Shadow Boss chevaux meurent. En même temps. Et du coup, ils drop tous le cœur en même temps. Ah. Et ils drop tous la Night Armor et tous la Dark Sword en même temps. Et tous les 4 Nightmare Fuel en même temps. Night Armor, je la trouve plus, c'est dans Magie ? Magie, ouais. Elle est où ? Faut que tu sois du coup à côté de la machine de magie. Ouais, j'y suis. Ah non, oui, d'accord, c'est bon, j'y étais pas. Ok, pardon. 3 papyrus, c'est 5. Tu me l'as fait? S'il en reste assez? J'ai 8 papyrus seulement, je les pose là. Moi je te conseille de la faire toi-même, comme ça tu débloqueras le craft. Hein. Et il va falloir aller farmer les papyrus. Ouais, ça c'est ce que j'expliquais. Il nous en reste 7, donc de quoi faire presque 2. Attends, je vais vider mon inventaire avant d'y aller. Parce que j'ai tu les avais où du coup les papyrus qui juste à côté, je les ai remis quelque part là. Là. Ouais. Et il n'y a pas assez parce qu'il en faut 3. C'est ça. Je descends. Faire une petite tournée au papyrus, mais il fallait que je vide mon sac d'abord. J'ai trop de bordel dans mes affaires. Il y a un moustique hostile dans le. Dans la base. Costier dans la base. Un moustique de la ferme hostile. Ah, d'accord, ok. Ce type de moustique. Ce type. That type. Donc oui, en fait, finalement, c'est quand même bien parce que les nuits sont plus courtes. Quelque part. Mais manger au lieu de me taper en fait. Parce que moi je regène pas mes HP comme ça. Quelle drôle d'idée d'aller taper des loups-garous alors. Ah t'es en train de faire des garous. Je suis complètement fou maintenant, c'est trop bien. J'avais un de tes messages sur le stream, mais je l'avais pas dans le chat test. Ah, il y a un bug. Non. Remets la pourriture, ouais. Ouais. Non mais je voulais juste savoir ce que t'avais mis comme attaque. Je fais l'intérieur de la boucle, Benny. Ah ouais, je suis parti en mode bordel. Ah ouais, j'en avais mis. Je sais plus dedans. Si jamais y en a qui veulent se refaire des Ambat, on a de quoi faire. Ah oui, y a le gros moustique. Ok. Bonjour. Bah peut-être pour faire les. Si vous voulez farmer les piafs rouges, ça va être pratique les Ambat, non? Ah non, bah c'est bien d'avoir une arme. Conventionnel. Arme qui a pas de durabilité quoi. Mmh.
Alors, je cherchais un moyen pour protéger à tout prix ce fruit. Mais j'avais pas trouvé. Et quand tu le mets dans le truc qui pèse les fruits là, ça le conserve pas? Je pense pas, non. Ouais, non, faudra trouver un moyen où ça le rend insensible aux chiens. Mais je sais pas si c'est faisable. Ah, c'est les chiens qui le cassent. Faudrait l'entourer de statues ou un truc comme ça, j'imagine. Après, les chiens vont le casser que si nous, on n'est pas en train de s'occuper de nos chiens. C'est quand on laisse traîner nos chiens qu'ils cassent les fruits. Bah, suffit que tu les aies au cul et qu'ils passent à côté. Ah, ils le cassent rien qu'en passant à côté? C'est pas en passant à côté, mais ils peuvent prendre l'aggro en fait, de n'importe quoi. Oui. Qui se mettent à aboyer au moment où ils sont un tout petit peu loin de toi, ils vont prendre l'aggro sur le premier truc qui passe, si c'est l'insecte. Là, c'est ce qui s'est passé à chaque fois en fait. C'est plutôt quand tu les esquives toi que. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu les fais courir, au bout d'un moment ils se désintéressent de toi quoi. Non? Bon, il n'y avait pas spécialement de au bout d'un moment, hein, c'est juste une question de cette animation d'aboiement où ils changent d'aggro. À ce moment-là, c'est pas toi le truc qui est le plus proche d'eux, ils vont. Moi, pour moi, ils te poursuivaient toi quoi qu'il arrive et ils changeaient d'aggro que si t'étais trop loin. En fait, c'est ça la mécanique, sauf que le trop loin, il n'est pas vraiment trop loin quoi. Ça peut être relativement proche. Du coup, on repart sur les astro-tempêtes. Ouais. Yes, on arrive. Moi, j'ai 26 roseaux. J'en ai 14. Wow, moi, j'ai les armures télécites. Ah bah, nous deux, on a 40 tout pile. Mais bon, on va faire nos armures à nous. Le truc c'est que les armures tout de suite, moi j'ai essayé tout à l'heure, j'étais à 10%, d'un coup j'ai pris 5 attaques des oiseaux sans. Ouais, les oiseaux. J'en ai esquivé une et l'armure elle s'est cassée. C'est pour essayer de les garder et puis quand bien même, les 10% d'armure sont partis vraiment en 3 secondes quoi. C'est pas forcément de les garder, c'est juste histoire de dire que. Non mais même sans ça, le fait qu'elles soient usées et tout, puisse pas en recrafter, c'est un peu. Parce que sinon il va falloir redescendre dans les caves. Ouais, c'est bon, c'est... ça je peux faire. Hein. L'impression que j'avais aussi déjà avec les Lock Suite, elles fondent comme neige au soleil sur cet event. C'est vraiment un truc de ouf. Quoi. Alors. J'ai ramené de quoi faire des bombes à eau aussi, dans le doute. Ok. On a jamais trop de bombes à eau. Quelques ouais, bon, tentacules bah, Spike aussi, on a trouvé largement de quoi faire un tentacule Spike avec Benny. Ça peut être pratique pour se rendre fou les bombes avant, ouais. C'est vrai. C'est vrai, avec l'humidité. Et voilà. Je vais prendre les Shadow Nightmare. Les Nightmare, vous en avez tout le temps sur vous, hein, c'est pour ça qu'on en a si peu qui traînent. Il y en a 10 par terre. Ouais, je viens de les prendre. Mais il me semblait qu'on en avait largement plus que ça, mais je pense qu'ils se promènent non, avec non, les... Non, non, moi j'en ai un stack. Ouais, voilà, c'est ça. Ils se promènent avec les stacks, les garçons. Ouais. Après, moi j'en ai un peu, hein, sur moi. Là. Et ben, prête à repartir, perso. Tiens, là, non? Ouais, chien. Tiens. Bon, ben, on reste là, le temps de les faire. On active les flingomatiques. Ah, par contre, il n'y a pas de carburant dans ce flingomatique-là. Attention. De l'herbe, prends de l'herbe. Non, on n'a pas assez d'herbe, je prends du pourri. Non, mais de l'herbe, de la pelouse. Non, prends une planche. Tac. Planche. Ah, what? Ou du caca ou du pourri, ça marche très bien. C'est quel que tu voulais refuel? En haut à droite, mais je crois que quelqu'un s'en est occupé. C'est bon, je vais refuel. What? Spawn ici, l'araignée là. Ah, ouais, chaud quand même. Vraiment pas chaud. Aïe, ah Miguel elle est pas là. Si, elle est au milieu. Là où il y a le feu. Du coup, on va tester notre base si elle est hermétique au feu. Mais oui, elle l'est. Moi je suis hyper confiante. Par contre, je pense que. Il y a une zone, non. Parce que le flingot est pas allumé. La vache. Un truc qui a brûlé, je sais pas ce que c'était. Bi, elle est morte, Ami? Oui. Ok. Si vous restez à côté de moi, je laisse mes âmes dropper. Hein.
Ta surcharge en âme. J'ai arrêté d'essayer de les... Ah, c'est le bazar. Ah, c'est quoi qui brûle là au milieu? Ah bah c'est du rot. Je sais pas ce que ça faisait là. C'est pas faute d'avoir précisé qu'il fallait tout ranger. Hein. Et encore, on avait rangé de bonne partie. Ouais. On va voir. Ah, ça... Ouais, le flingot éteint le feu. Bien sûr. Pourquoi il est là le flingot alors? On avait pleu... Non, tu te rappelles, on avait dit merde, c'est vrai, il est dedans. Tu te rappelles pas? Ouais, c'est pas grave. Et après, on avait dit que comme on avait posé un four, c'était pas grave. Non, c'était pas ça. J'avais dit justement que moi j'avais fait bien gaffe de laisser ce feu là. Non, je me suis certaine de mon coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit si, c'est bon, l'endothermique est pas dedans, mais par contre, le fire pit y est. Mais je sais plus. Je sais pas qui est-ce qui a placé le truc qui a attaqué l'endothermique, ça, je sais pas. Mais... Alors, et du coup, là, je mets la Night Armor. Paf. L'endothermique, il est allumé, là. Oui, l'endothermique, c'est bon. C'est l'autre qui. Ah bah, c'est sûrement moi, j'ai peut-être pas fait gaffe. On repart. On repart. Je pré-craft juste un petit feu. Endothermique. Et je jette mon casque. Parce que j'ai pas de place. Ah, c'est pas mal de faire en moon color stuff aussi. Ah, en vrai, on pourra peut-être en faire là. J'avoue. C'est le truc qui est en place et tout. Faire quoi? On peut même le faire maintenant en fait. Faire un moon color. Ouais. Pas parce que t'as un star color qui usait là? Ouais, il a 5%. Ah, c'est la même chose que le star color mais version 3. Ouais. Oh. Avec l'event des chiens. Ouais, on l'a fait l'autre fois mais Benny était pas là, je crois. Ah si, où t'es arrivé après? On l'a même gelé avec l'Oasis, sur l'Oasis. J'ai peut-être pas compris. Alors... Ah si, je m'en souviens. J'avais eu super froid, c'est vrai. On le fait maintenant, les ventes, ou pas? Allez. Ouais, on est en route, là. Pas beaucoup de temps, mais... Est-ce que... Non, il n'y aurait pas assez de temps, là. Ouais, je pense pas qu'il y aura assez de temps. On se tente le... Ah, de Shangaro. Les astro-tempêtes, ou... Bah ouais. Ouais. Bon, tu en retour, on pourrait aller. Ouais, on se le fait le cochon garou là, non? Cochon garou, je vois pas de quoi tu parles. Où ça? C'est qui a pris la viande que je refile? C'est moi. Merci. Astro-tempête du coup là. Bah attends, je vais te les refiler à toi parce que. Ah, j'ai la Golden Belt. C'est quoi la Golden Belt? C'est la ceinture du roi cochon. Pas une vraie ceinture, mais. Pourquoi il y a deux... Ah oui, d'accord, on a deux machins. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a autant d'herbes ici. Si elle est fermée avec le birger, ce serait assez utile. Ouais. J'ai oublié d'emmener à manger. Je sens que ça va manger des âmes par ici, c'est moi qui vous le dis. Ça va devenir... Ouais, mais c'est un avantage. J'aurais peut-être pas dû porter la Night Armor, du coup. Rien que manger des âmes, ça va me rendre dingue. J'y avais pas pensé. Ah ouais, ça par contre... Ça va régler le problème. La nuit... En plus, j'ai droppé mon chapeau de... T'es en comment au niveau fin? Mon Tamo Shader, je l'ai droppé. Je suis à 40 sur 250. Non, attends, bouge pas, arrête de bouger. J'ai un truc. Tiens. Tu vois que c'est pas si rapide que ça, hein, les astro-tempêtes. On met quand même du temps. T'avais dit 2 heures, là on va y passer... Bah... On y aura passé 3 jours. Ouais, on va les finir tranquille. Ouais, mais après, c'est vrai que par contre, j'avais pas pensé, moi, c'était les ressources. Les ressources après. Toutes les ressources. Ah, les ressources bonjour, après, j'ai oublié de reprendre mon casque à l'œil avant de partir. T'en veux un d'Astrogal? Je veux bien, ouais. J'ai plus de patates. Tiens. Merci, c'est cool. Même pour le trouver dans l'inventaire, c'est chiant. Du coup, faudra bien faire gaffe. Parce que moi, le mien, il est un peu usé. Faudra bien faire gaffe de les refuel, quoi. 68. Et comment tu refuel volontairement? Il faut prendre des éclairs. Ah oui, mais tu vas choisis pas un sport, un sport des lunes. Attends. Oh merde. Oui, est-ce qu'il était parti, je crois que à droite là. Il est vers moi. Moi je le suis avec le mode. Ah bah bravo. Je le suis même invincible. Je le suis même quand il est invisible. Du coup, tu le vois encore, c'est ça? Bah non, c'est là on le voit tous de toute façon. Ouais. À cette distance là, on le voit mais c'est une question de distance, quoi. Ah cool, de l'herbe. Il nous envoie sur l'herbe.
C'est ça, ça tombe bien. Justement, on avait besoin de farmer. Ah, une clé à molette. Widget défubleur. Moi, je lui jette ses outils à la gueule. Tiens, prends ça. Et c'est bien comme ça, je les prends pour pouvoir les ranger après, les utiliser. Oh, il fait chaud. Ah, j'ai pas mis l'armure. Moi, je le jette. Je le jette au sol une fois. Ça, c'est le scribble machin chose. C'est ça ? Il veut quoi du coup là? C'est ça je pense. Ah ça frime ici. Ah merde, j'aurais dû prendre un ice top. Oh, c'est pas grave, j'ai fait un petit feu. Faudra juste le tenir le tenir Ah c'est ça. Je fais dodo. Ça, information inutile du jour. Les oiseaux qui nous attaquent là, on peut les capturer, les mettre dans des cages à oiseaux. Et ils drop là, toujours la contrepartie pourrie de la version du truc qu'on leur donne. C'est-à-dire que si on leur donne de la viande, ils vont nous dropper des œufs pourris. Si on leur donne des légumes, ils vont nous dropper des graines pourries. Pourri, Pourri ça existe pas, mais du pourri quoi. Allez, travail. Voilà, petite astuce déco slash farm de rot. Farming pour les œufs pourris éventuellement, pour ceux qui veulent. Optimiser la production de fruits. Ah, c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'Abigail avec les piafs là. Ah non, mais Abigail avec les piafs, elle est indispensable. Choper un piaf. J'ai arrêté de regarder qu'est-ce qu'il réclamait, pardon, je me suis laissé. Sans Abigail, à 3 bons joueurs, on a galéré de fou avec des armures de. Avec des bonnes armoires et tout, on a galéré de fou pour cette phase. Il tape trop fort avec les piafs. Pour faire quoi, quoi. Pour les piafs. Ah ouais. Pour recapturer. Ah non, juste pour les buter. Pour le fight contre. Conceptuel Scribber, c'est le livre. Par contre, vu que tu lui... vu que t'arrêtes pas de lui donner des trucs, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de voir ce qu'il réclame. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi. Il passe son temps à dire non, et du coup, on n'a pas le temps de voir ce qu'il veut. Scribble, je sais pas quoi. C'est les petits outils, les conceptuels Scribble. Scribble. Ah, j'ai besoin des âmes. C'est clair. Revenez par là. Attends. Ah, et. C'est ça, je crois. Ils sont là. Calibrate, machin. Ah non, c'est pas ça. Calibrate, c'est ça. Calibrate, c'est la clé. C'est comme calibrate. Okay. Enfin, c'est le crucifix ou la clé, au choix. C'est avec la molette? Ouais. Reticulating, je crois que c'est la clochette, non? Ouais. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Ah, y a un truc par terre qui est bizarre, machin. Ah, ça y est. Et du coup, là, c'est le troisième. Voilà, c'est bon, là. Je sais plus combien il en faut. Je crois qu'il en faut 3. J'ai laissé les autres à la base, par contre, avec mes astro Google. Ouais, bah. Non, ça c'est pas grave, de toute façon on aura juste besoin quand on ira faire le Celestial Champion. Ah bah tiens, c'est au niveau du. C'est au niveau de la. Et il faut en faire 5, c'est ça? La forêt du roi cochon là. Non, 3, mais là maintenant faut qu'on farme les ressources. Faut qu'on farme Hi Booker! It's a Celestial Event. The Celestial Event. From the last update, je crois. Or so. Ouais, à peu près. Enfin, la last update du lore en tout cas. Enfin. Ouais, last update, ouais. Last massive update. Perso, quoi, parce qu'il y a eu Weber depuis. Last world update. Et West, c'était avant. Ouais, non, c'est juste avant, le Weber, c'était celle-là. Je crois. Du coup, donc là, c'est là qu'il va falloir les pioches et. Putain, il y a encore un cochon. Ouais. C'est là qu'il va falloir les pioches et les. Vas-y, on fait le cochon. Et un truc. Ça nous fera des pots de. C'est bon pour ce qu'on a, ouais. Exactement. Alors, il faut des pioches et... Bugnet. Des filets, ouais. Je sais pas si vous avez Bugnet Alors, j'ai de quoi en faire, mais okay. J'ai pas capté, pardon, si on doit faire encore une astro-tempête, c'est ça? Ouais, mais on doit récupérer les ressources, simplement. Et les bundles, ensuite. On a les bundles et tout? Non, j'ai pas de bundle. Par contre, ça, moi j'ai pas ça, ouais. J'ai pas ouais, voilà. Alors, encore une fois, les trucs qu'on capture à Bugnet, on en a pas besoin, ça, je crois que ça tient 10 jours, un truc comme ça. Tout à l'heure, on en a capturé suite, des périmées. Ils étaient jaunes. Bon, oui, alors en fait, c'est comme les spores, effectivement. Si tu les captures pas au moment où ils pop, et mais pareil pour les cailloux, de toute façon. Hein. Si tu les captures pas au moment où ils pop, ils sont déjà pourris au moment où tu les captures. Ok, après, de toute façon, il faut prendre les bundles.
The bundle. J'ai faim. J'ai plus rien à manger. Moi aussi. Il y a plein de viande au frigo. Hein. Non, tu peux te faire des stew là. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ah oui, on est en train de rentrer à la base. Parce que moi, je vous suis depuis tout à l'heure, mais comme j'ai fait tourner ma carte, je savais même pas où on allait, quoi. Ok, ok. À manger, je vais me servir. Donc là, il nous faut... Alors, baguette. J'avais précraft des bonnes... Okay. Il y en a là-bas. Tac, des pioches, on peut en prendre ici. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va. Ensuite, il faut. On va faire de bêtises, mais on est en train de se servir. Ah, les bundles, ouais. J'avoue. On prend. Est-ce qu'on prend un bundle chacun? Ouais, c'est ce que j'allais dire, un ou deux bundles chacun. Ouais, je vais la diviser ici. Merci. Ah, parce qu'on en a à ce point-là pas plus. On en a 5. Spécialement formé les bundles, ouais. Après, il reste 5 papiers. Là. Ouais, bah je vais les faire. C'est bon. Bah non, quoi que non. Quoi. Je pense que si on a tous chacun un truc. Et du coup, faudra mettre quoi dedans? Pour pas faire de bêtises. Ah ouais, parce qu'en fait, il faut bundle d'un coup. Bah oui. Après, tu peux débundle, rebundle, mais c'est vrai que niveau durabilité, c'est pas de ouf. Quoi. Bah non, mais surtout les sports, ils s'enlèvent, non? Enfin, ils seront volatiles. Ah ouais. Mais c'est... Enfin, après les sports, je te dis encore une fois. Tu peux le garder quelques jours, quoi. Ah, ok. Est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup qu'on donne tout à la même personne qui bundle? Je sais pas. Ok, bah on donne tout à Kier. Ouais, bah, pas d'accord. Je pense que le mieux, voilà. C'est de s'éparpiller, en fait. Bah, moi, après, on peut avoir un bundle par personne. Et genre, essayer de centraliser, mais comme ça, si t'es alone, tu peux quand même bundle, tu vois. Bah, moi, je te suivrai, Kier, et je t'aiderai. Je te suivrai, tu la lilalou. J'ai abandonné mon sac à dos quelque part, je le retrouverai jamais. C'était un sac à dos araignée? Non, c'est un sac à dos bleu. Il a... Je savais bien qu'il était dans le coin. Mince d'ailleurs. Kit de réparation. Ça prend feu là parce que c'est éteint, pourquoi? Parce qu'il y a l'autre qui est allumé. Voilà. Faut pas éteindre celui-là. T'as fait comment, Spider, pour faire les jambons là? Enfin, les marmites. Je disais des viandes. T'as fait 4 viandes? Tu rigoles, j'ai une viande de monstre, une viande de végétale, une viande, un jambon et un œuf. Ah, j'ai. Ah oui! Oh le fucking strike! Aïe! Oh non! Toutes nos coquilles! Tous les coquillages! Zut alors! Cool, ça fera plaisir de broker. Dans mon chat, ça balance et ça dit: je sens la déco malencontreuse venir. moi j'avoue, je le ferai. Rien que pour le crockpot, il est irreplaçable. Faut péter tout. Allez! Comme vous le sentez. On est plus à ça près maintenant, je pense. Hein. Ouais, je crois que... Alors par contre, je vais faire gaffe parce que j'ai failli cliquer sur Regenerate World. C'est vrai que ce serait un peu con. Ah, tu veux rollback? Ouais, je rollback. Non, elle a rollback. C'est trop tard. C'est quel monstre qui a fait cette attaque? Droopy, c'est le Iron Lion. Normalement, il faut lui faire des cadeaux. Mais on va aller le tuer maintenant, je crois. Coucou Gribouille, et désolé pour le vent. C'est un peu compliqué, là. Salut, Raphaz. Du coup, on va aller tuer l'Ant Lion. Je sais pas si on a des déserts de Google, quelque part. On peut utiliser les Google de l'Astro Tempête pour le désert? Tu peux utiliser les Google de Lune. Ah, cool. Sérieux? Oh, c'est cool. Mais bon, on peut aussi le tuer comme l'autre fois sans Google. Oui, c'est vrai. J'en ai des vrais guerriers. Faut le trouver. Alors dégageons d'ici. Enfin, je prends à manger. Je suis toujours au même endroit. Hein. C'est-à-dire Bah, faut qu'on bouge. Ouais, il est toujours dans le rayon. Ah, une fois qu'on l'a trouvé une fois, il est toujours là. Ouais, son spawn est fixe. Ah, okay. Par contre, on va pouvoir bouger. Ouais. Tu peux même le repérer rien qu'à l'agencement des turfs. Tu peux le repérer avant même qu'il pop la première fois. Ah ouais? En fonction de quoi? C'est un certain pattern de turf qui veut dire c'est le spot de l'Antlion, quoi. C'est un peu un mosaïque dans le désert, quoi. En haut à gauche. En haut.
Du coup, je t'explique quoi, le bordel là. Bah, le bordel, c'est juste qu'on rush un peu là, donc. Ouais, c'est pas un rush. Non, on rush sans rusher. On rush parce qu'il y a des débutants et que du coup, c'est comme si c'était un rush pour nous. Mais en vrai. Si, il y a zéro coffre de fées, c'est un rush. On est rush, on est jour 200. Ça, c'est la vie de Bunny et Spider. J'avoue. Attends, on est jour 200. Ah, j'allais voir ma chèvre. Non, bon, c'est pas sûr. Mais c'est mais putain, mais c'est un rush, mais de tous les boss, pas juste du Célestial Champion. J'ai la petite chèvre. Oui, on a fait tous les boss, c'est ça qui était cool. On a fait les Sims. Casque. Si, c'est juste que je le trouve pas dans mon inventaire. Oh la vache. En fait, c'est un dans rush, l'inventaire, mais il est tous les événements du jeu, pas juste de celui que t'as décidé de faire toi, c'est tout. C'est ça. En fait, on a rush. Rush les... avec Krampus Bag, avec Toadstool, non, avec Krampus... Alors Krampus Bag, c'est une vaste fumisterie. Il y a plus de mais je veux dire, on a quand même perdu quelques jours dessus. On a même essayé, si on a pas... mais il y a toujours pas de Krampus Bag. On avait joué aux Sims. On a réussi à jouer aux Sims en tout cas. Mais toi aussi, c'est t'as pas fait les Sims, d'affaires. C'est du rush aussi, mais. En vrai, moi, c'est du rush. Tu sais ce que c'est cette partie? Moi, je la vois comme une partie d'exploitation de tout le contenu et ça me fait super plaisir. Plutôt que de rester dans mon confort, parce qu'en fait, Don't Starve, c'est ce que je disais. T'as pris un Starcaller? Ah ouais, tiens, il est sur ma gueule cette fois, l'Ontayon, MDR. Ah oui, il y a le Starcaller au retour, on pourra se faire ça. Il est placé. Oh, il attaque! Oh non! Pas sur ça! Mais qui ne fait pas attention là? Je veux pas balancer, mais voilà moi, quoi! Rollback! Wow. Ah là, cette fois, il est pour le rollback! Hein. Bah, c'est obligé, là, tu peux plus le construire! Bah, tu le reconstruis plus large, quoi, mais bon! Ah pardon Gribouille, bah c'est pour ça que je regardais que j'avais pas vu ton message. En fait c'est le, on est en train de faire la quête du Celestial Champion. Enfin là on va tuer le Antlion avant qu'il nous tue. Ouais, Gribouille me demande qu'est-ce que c'était l'événement où on tuait les PA. On va y arriver. Hein. On va y arriver. À le tuer avant qu'il nous tue, enfin avant qu'il fasse sa frappe. En fait il faut juste qu'on bouge. En fait on rush les Astro Tempêtes et ça fera au niveau des Astro Tempêtes, ce sera cool. Je pense quoi. Moi j'y crois pas que ça va être cool. Pour moi en c'est gros, pas cool. On va aux Astro Tempêtes et on fait les Astro Tempêtes pendant que Lion nous tape. Mmh. Et du coup on est content. Je suis pas sûr parce que ça rien soit... de notre base sont détruits. Bon bah là faut y aller maintenant. Oui, il faut y aller maintenant. Ah, mais on va récupérer les perso. On va récupérer le stuff. Allez go. De toute façon, faut pas rester dans la base et faut pas passer à côté d'un truc qu'on veut pas qu'il soit démoli. Surtout. J'avoue. Oh, mes tomates qui pourrissent, non, mes tomates géantes en plus. Trop tard. Si tu veux les retrouver, il faut partir. Les tomates, ça pourrit assez vite, hein, donc fatalement. Je suis giga deg. Non, je rigole. T'es géante deg comme les tomates. Ouais. Alors, est-ce que j'ai tout pris? Je crois que j'ai pas pris tout ce qu'il faut. Hein. Attention, ça va crabouiller. Ouais. Mais ça gribouille TKT, on fera ça aussi sur la game. Ah merde, Actari, j'ai là, encore mais, oublié de. C'est bon. On est beaucoup plus sur la game Actari, là, donc, Ça. Alors vas-y, on veut miner les trucs là. Ah okay. Par contre, faudra que je répare mon Aibrella au retour. Ça serait mais bien. Je crois que ça fait des dégâts. Hein. C'est bon, tu peux l'enlever. Partie des prochaines grosses étapes de Kier, attends, on mine d'abord. Non, on est parti. On va l'Angelion d'abord, c'est prioritaire. Angelion, mais il va nous attaquer d'abord. Bah c'est pas grave, on l'aura tué. Ok, j'essaie de faire la quête tout seul. Attention, bah, on contourne le... Tant qu'on tuera pas avant, c'est pas vraiment prioritaire, on a quelques jours. Hein, et t'as à prendre peu. Notre lion, mais bon. Bah en fait, si on le fait le spawn dans les autres tempêtes, c'est worse, non? Ah vous voulez que qu'il nous attaque pendant qu'on est dans l'astro tempête, c'est ça que vous voulez faire? Ouais... Bon, moi je pense que c'est cool. Ça fait un peu ah, merde, en mode... Ah merde, j'ai pas réparé mon Aibrella du coup. On va descendre dans les astro tempêtes alors. Un kit de réparation sur lui, j'imagine. Quel était l'intérêt? Incendie! Pardon. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'on dit... Est-ce qu'on... The Ant Lion, les infos... Ça y est, bah... Il est sur ta gueule, hein. Ouais, est-ce qu'on dit... est-ce qu'on dit que l'incendie vient de prendre à côté... Non, tu dis rien. Tu dis rien, on se barre. On s'en va. On se barre. Ok, d'accord. On s'en va. Il y a eu l'attaque de l'Ant Lion. Ouais, c'est bon, ouais. Vous voulez faire l'Antlion là vraiment tout de suite? Bah du coup non, on est en train de redescendre. On arrive. Ah mais je vais pas réussir mon coup en fait. Bah on est avec toi, ça y est. Ça a cramé aussi les... Les fans. Pas de panique. De la mouille, bah c'est pas grave. Fans. Bon à la limite si c'est juste ça, tu t'as juste à les refaire, t'as pas de quoi?
Ouais, c'est ça. Au pire, on le fait la nuit prochaine. Wagstaff, hein. Ouais, ouais, il est en bas, descend. Ah non, mais je me fais ruiner. Mais en il fait. A bougé. Mais comment on fait pour récupérer ce truc là en fait? Wow, mais. Quel truc. Mais pourquoi tu le suis? Bah, les trucs combinés. En fait, je les ai minés, mais ça sert à rien, ils sont détruits. Il faut les miner au moment où ils pop. En gros, je les mine. Attends, on doit faire encore un event de Wagstaff ou pas? Non, il faut juste qu'on récupère des. Non, là il faut miner les moonshards et capturer en fait, les. Il faut miner les moonshards et très et vite capturer les vas-y, je les mine. Mais les moonshards, il faut les miner vraiment au moment où ils pop quoi. Si vous, si vous attendez 20 fait. Secondes avant de les miner. Non, mais j'ai pas de bundle, c'est pas moi qu'il faut les donner, c'est à Kyr. Ouais, ah ouais, Kyr. Je vais les donner. Non, mais bouge pas à Kyr. Pas de panique, là il y a un moonshard. Ouais. Vas-y, reprends-les, maintenant le direct. Mince. Que ça va trop pourrir sinon. Non, ça va. Je surveille. Par contre, j'ai pas les bundles, on n'est pas parti avec cette fois, vous vous rappelez? Oh. Je suis à la base, je les prends. Ouais. Oh, ça sert à rien du coup. Là-haut, non ça va, ça chaud. Va, je suis à. Attends, on n'est pas dans la forêt du Birger là, si? Non, c'est pas la forêt de Birger. Quelqu'un aurait un feu endothermique? Ouais. Ouais. Non. J'ai un gros feu endothermique seulement. LOL. Merci. Donc en fait, on peut capturer les papillons, là. Enfin les moon machin. Ça vous pouvez, les moon glim, vous pouvez. On se fait strike, gratos. À gauche là, il y a un. Ah, j'ai vu le joli strike, c'était mignon ça. Ouais, mais le petit éclair, vous étiez tous les trois à côté et bam, tous ouais, les trois touchés. C'était gratos. C'était trop beau. Par contre, je savais pas qu'il y avait encore en les. Fait. Hein? Attends, je veux voir comment Wagstaff meurt parce que j'ai jamais vu. Ah merde, bah attends, j'enlève Abigail alors. Ouais, j'avoue. Ah, mais il attaque nous en fait. Il faudrait miner les prochains trucs là parce que sinon, effectivement, les minerais. Les trucs. Là. Vous êtes là. Où? Je vois pas où vous êtes. Non? Ah non, c'est pas quand la foudre rien. Tombe. Mais attends, ils veulent voir Wagstaff mourir. Ouais, mais je crois qu'il veut nous attaquer nous. Ah non, c'est bon, il prend des dégâts. Après, on aurait pu l'attaquer directement à Wagstaff. Hein. Là. Ah, du coup, j'ai perdu des. Effectivement, non. J'ai perdu des cristaux. Tiens. Non, les cristaux, ça sert à rien. Ah, si, il y a peut-être toi maintenant, ouais. Ah, allez, celui-là. Bougeons d'ici. Par contre, oui, autour de Wagstaff, il vaut mieux pas trop y rester parce que c'est là où il y aura tous les piafs qui font chier là. Allons-y. Ok. Est-ce qu'il faut aller de là où il est, lui? Il est en bas à gauche. Non, on est sorti de là. Non, il vaut mieux, aller, non, il vaut mieux ne pas y aller, justement. Aller il vaut mieux aller à l'opposé. D'accord. Parce qu'il y a moins de piaf aux autres endroits, enfin il n'y a même pas de piaf. Ah, mais j'avais pas vu que mes points de vie c'était pas à gagner là. Quelqu'un a besoin de soins? Je vais lâcher du PV là. Et ici il y a un Moonshard, mais je sais pas, je pense que c'est plutôt Spider. Il a pas pire, il y a. Tu m'as pas donné pas. Les. Les bundles. Les tiens. Bundles, ouais. Là. Tiens, Kyr, je te donne les Lucioles. Enfin, les Lucioles là, lunaires. Je te donne tout, Kyr. Et j'ai ça aussi. Attends, tiens. Il en faut 15 des Lucioles lunaires et 30 gemmes. Ok, on a 5 gemmes, 10 Lucioles lunaires, j'ai fait un premier bundle. Là-haut. Ok, je te la donne. Attends, tu rigoles, il en faut beaucoup plus. Il en faut genre 25 les cailloux là. Ah, c'est ce qui est marqué sur mon guide. Hein. On ne jette pas les mégots par terre. Mais il y a 3 étapes, il y a 3 tirs du truc, on est d'accord. Ah oui, il faut 3. Oh, il faut 3 trucs. Oh, il s'upgrade comme la maison de. Comme la ah, maison ouais, de peur. Oh l'enfer. Et ça coûte ouais, de plus en plus cher. Faut... La dernière étape, elle coûte pas le. Elle coûte pas l'item de base qu'on essaie de. Ah ouais, donc il faut vraiment beaucoup staff. En fait. Là. Regarde sur le wiki, attends. C'est à dire qu'il en faut 3 fois 30 ça, si donc il en faut 4. Non, c'est pas le même prix à chaque fois. C'est pas le même prix à chaque fois. Ah, ok. Attends, je vais. Attention, il y a les piafs. Oh, il y a les piafs, ouais. Toi, t'es dans les piafs. Spider, t'es à côté des piafs. On est en train de ressortir là. On peut redescendre et aller sur la droite. Ouais, ce que t'avais dit tout à l'heure, c'était ok, je crois, en plus. C'est ça, c'est pour ça que je comprends bah, pas. Ça, c'est 15. Attends, je reprends le guide. C'est 15 Moon Glam donc et 30 Infused Shard. A mon avis, c'est ce qu'il faut pour ouais. L'entièreté. Là. Je crois que c'est ça, ouais. Enfin, ah je sais putain, pas, je me fais aggro par les CE là. De base, il coûte 5 et 2. 5 Moon Glam et 2. J'en ai récupéré un. Attends, qu'il y a... du dad. Attends. Ensuite, hop. C'est 10 arrête Moon Glam. Arrête de bouger. Ensuite, c'est pas moi. C'est pas moi, je bouge pas. Ah ouais, attends, mais c'est parce que du coup, c'est devant, ça me gênait. Par contre, les moonshards, je suis embêtée parce que les moonshards là périment vraiment vite.
Toutes les bundles. Les bundles. Hey, immédiatement, Gloomer. Dès que tu les mines. Yeah, bonjour Gloomer. Ouais, faut les bundles direct, je pense. Ouais, mais je les bundle 8 par 8, là à droite. Comment ça, 8 par 8 ? N'hésite pas à les débundle, rebundle immédiatement, mais il faut vraiment qu'elles restent en bundle. Alors, il faut qu'on farm des cordes. Je peux t'enfiler moi un peu du. Tiens, hop. La grass si tu veux, tiens. J'esquisse son attaque ? Oh, pas du tout, il est magnifique. Deck. Ça a bougé là ? Ah non, ça a pas bougé. Moi j'ai que 3 Moonglim pour le moment. Hein, pour info. Par contre, on a eu une deuxième attaque déjà de l'Antlion. Hein. J'ai plus de. Oui. Parce qu'il y en a une juste à côté de nous, on était tout à l'heure. Vous avez, vous avez pas fait de feu en dos ? Moi aussi j'ai faim. J'ai plus de feu en dos. Moi je peux en poser un, mais c'est un fixe. Ah. Non, mais. Je croyais que vous en aviez posé en fait. Mais c'est... Bon, en vrai, en fixe, ce serait pas mal parce qu'on a beaucoup de trucs à farm. On en a combien là, de Moonglam ? Ah, le truc, c'est que si ça bouge, on aura un peu. Franchement, j'ai du mal à en bundle beaucoup à la fois. Hein. Là, je dois avoir peut-être moins d'une vingtaine de Moonshards. Les Moonglim, par contre, ça part moins vite. On a combien ? 5 là, et j'ai dit tout à l'heure combien j'en avais. Une pioche là ? Moi, je pioche, je ramasse pas. Par contre, il va falloir que j'aille chercher à bouffer, je suis à 10. Ah ouais, moi aussi j'ai la dalle. Tu veux, je peux te filer des graines. Oh, oui. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Moi aussi, mon perso a dalle. Tu te dis les graines, Bonnie ? Ouais, vas-y, donne-moi tes graines. Donne-moi tes graines, baby. Là. T'inquiète, j'ai un truc pour toi. Oui. Tiens. T'as un coup de pioche. Toujours life saving ce petit stack de graines. Ouais, des papillons. Non, c'est ce que j'ai fait là, tout à l'heure, je peux taper des. Ok, là j'ai un. J'ai un Moonglim. Hop, je te le file. Non, c'est pareil. Non. Ah, quelle horreur! Ok. Là on doit être bon à peu près, non? Ça prend non, aussi à côté. On n'a pas 30 shards, c'est sûr que non. Pas trop grosse, ça prend feu ici en vrai. Par contre, ils ont brûlé mon setup de Moonstone, quoi. Par contre, j'ai perdu le compte, hein. Je suis désolé. Peut-être le. Salut Eric. Tu fais un coup de débundle, rebundle juste pour compter. Ouais, mais on va perdre les. Ceux dans lesquels Pierre. J'ai mis des. Ah ouais, les Moonglam. Pierre, voilà. Ah, mais oui, non, mais de toute façon, les bundles, c'est pareil. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est compliqué de les mettre dans les. Ah ouais, ouais. Bundle, en fait, ouais, les volatiles, il faudra les rechoper sur les lunaires, quoi. Truc de ouf. Parce qu'il y en a, il y a la même chose sur l'île lunaire. Non, mais en fait, il faudra les débundle et ça va tous mettre comme des papillons. Ah, et là, faudra avoir plein de filets pour tous les récupérer. C'est dans la situation de tir de tout à l'heure. C'est une dingue. Ah, j'ai perdu mes astro Google. Bah, moi aussi. Et tu meurs de faim aussi. Et ah, j'ai trop meurs un peu de faim, oui, bon. Bah ouais, si on fait pas l'event, on prend pas beaucoup d'éclairs et donc du coup c'est vrai que c'est. Ah là là, attendez, je vais mourir. Sors, retourne à la base direct. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres lunettes parce qu'elles ont du dépop, j'ai pas dû prendre assez de foudre. Non, j'ai pas emmené la mienne, on m'a dépanné déjà. Non, je pense qu'on a assez de. Il y a de la foudre là où je suis. Il y a du. Je vais rentrer à la base. Je pense qu'on a assez, on a assez de. C'est pas par là. Attends, vas-y, je vais les filer vite fait. Vas-y, bundle-les, on rentre quand? Je pense qu'on a tous assez. On peut partir. Ok. Ouais. Ouais. De toute façon, j'ai plus de bundle, il va falloir refaire le tri de tout. Ouais, je pense qu'on est bon là. Bah ouais, on debundle pas, on verra. Au pire, on flippe le Célestial. On va au Célestial et si on a pas tout, tant pis. Oh ouais, bah oui, un petit flip là, allez, hop. C'est vrai que c'est pile ce qui manquait cette game, un peu de random. Moi j'aime bien un flip comme ça. Tu sais, tu vas devant et tu vois si ça marche ou pas. Mais question, comment on peut faire pour lui donner les trucs volatiles s'ils sont dans le bundle? Il faudra tout refli... Il faudra tout rechoper. Il faut les recapturer. Et les mettre dans ton inventaire, ouais, c'est ça, tu les chopes depuis ton inventaire. Je pense que c'est pour ça que les trucs ils pourrissent pas trop vite. Tu vois, moi, celles que j'ai depuis le début là, elles sont à 80%. Quand tu les libères, ça redonne. Directement. T'es sûr de ça? Ouais, ça refuel complètement en fait. Ça, ouais, je suis sûr.